Et bien salut tout le monde, c'était Mapon et bienvenue pour une nouvelle vidéo database comme chaque semaine. Bah écoutez, moi j'espère que vous allez bien, bah moi écoutez, ça va super bien. Et ben écoutez, on va tout de suite commencer sans faire sans dire rien d'autre hein, comme d'habitude. Alors pour cette vidéo database, je vais dire je préviens tout de suite hein, je préviens tout de suite. J'aurai pas mal de mises au point. Il y a pas tout qui est vraiment ancré dans ma tête, mais je sais de Ouais, je sais plus ou moins en triant les sujets de quoi je veux parler. Mais bon, je pense qu'on va parler de 2-3 choses assez longuement. J'en profite, voilà. Alors, pour ce choix de Pixul, encore une fois, un grand merci encore une fois pour vos votes. Eh ben, nous avons Destruction Derby 2 et Chocobo Racing qui seront bah, tous les deux des jeux PS1. Bah, d'ailleurs, c'est bien simple. C'est tous les jeux que j'ai mis sur. Sur Pixul, c'est tous des jeux PS1. Je sais pas, je voulais ressortir un peu la PS1 comme ça. Bon, l'émulateur, hein, d'accord. Et disons que voilà, maintenant on a nos jeux pour la semaine. Alors, en ce qui concerne les achats, eh ben je vais tout de suite vous le dire. Deux figurines. Alors, normalement, attendez-vous un unboxing fin août. Un ou deux unboxings, ça viendra. Je sais pas. J'ai pas réellement de date estimée. Bah oui, forcément, c'est le début de l'achat. Puis bon, ça peut venir plus tard, ça peut venir en avance ou dans les délais estimés, hein, bien entendu. Et ben, tout simplement, je ne sais pas quand ça va venir, mais ça va venir deux figurines. Donc, on verra quand ça pourra être livré, bien entendu. Et donc, nous aurons droit à deux unboxings pour cette fin de mois d'août. Voilà. Alors pour tout vous dire encore une fois pour la dernière figurine auquel n'a pas eu de boxing, voilà, j'ai pas su faire correctement le boxing, la vidéo était trop longue, la figurine est vraiment grande, il y avait beaucoup de pièces à monter, tout ça, tout ça. Je ne m'attendais pas à un tel truc. La figurine fait quand même 28 cm. 28 cm, c'est grand, les gars. C'est quand même vraiment, vraiment grand pour une figurine. Donc voilà. En ce qui concerne les jeux du moment, il n'y a rien à signaler. Rien à signaler. Pour les mises au point, bon, voilà, là où je veux en venir parfaitement, j'en ai plusieurs. Déjà de 1, maintenant que j'ai acquis OBS Studio, je peux faire tourner des sources médias, donc des fichiers MP4, en parfait exemple. Et ben, j'hésite à faire une intro à chacun des débuts de live. Intro qui ne sera pas rediffusée sur YouTube. On ne sait jamais question de droit d'auteur. Hein, parce que je compte faire un gros mix, que ce soit de jeux vidéo. Forcément, ça, il faut rester sur le thème de la chaîne, bien entendu. Mais également d'anime. Il y aura quelques images d'anime. D'où je me permettrai, quand je commencerai le streaming, de déjà, comment vous dire ça, faire l'intro. Hein, vous mettre l'intro en pleine face, si je peux dire ça ainsi. Et ensuite, tout simplement arrêter le streaming et relancer tout de suite sur un jeu. Voilà. C'est exactement ce que je voulais dire par rapport à ça. Alors une deuxième chose, et eh ben, ça va être un peu coton de faire des vidéos en ce moment. Disons que bon, on n'est plus si loin que ça de la rentrée, hein. Ça, je pense qu'on est bien d'accord. J'ai vraiment eu du mal à faire les jeux pour cette semaine. D'ailleurs, j'ai encore Megami Tensei Last Beeble, un jeu que vous avez voté à sortir encore ce soir, si le temps me le permet, bien entendu. Et en fait, j'ai un gros souci, malheureusement, avec Motion Joy. Il prend énormément de temps à démarrer. Alors, je sais pas, je passerai peut-être un coup de Cycleaner, je ne sais pas. Faudrait que je vois dans mes drivers si ça fonctionne correctement, tout ça, mais. Parfois, ça a tendance à bien se déconnecter tout ça et bon. Et disons que j'ai un gros souci d'USB avec mon PC en ce moment. Bah, disons que si je bouge un peu trop la prise la prise USB dans le port USB, c'est bien simple. Blue screen du PC. Blue screen. Oui, vous avez entendu. Blue screen du PC. Et donc, je verrai comment pallier à ce problème. Pallier à ce problème. C'est vrai que c'est extrêmement dérangeant. Voilà. Bah écoutez, ce sera donc déjà la fin de cette vidéo database avec 2-3 petites mises au point. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bonne semaine à toutes et à tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo database. Ciao, bye bye les gens.